COVID distance. Donc, parce que vous avez dit, je ne sais pas, ils ont l'air plus ouverts à distance, mais dans la famille. Ça, je vais savoir. Ouais, ben ça, vous avez aussi de faire un frac. Ça va, ça va, j'ai mis un peu plus carré. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'interrompre votre conversation. Il est déjà 10h45. Alors, je vais faire honneur aux gens qui sont à l'heure à l'atelier. S'il y en a d'autres qui joignent, on les accueillera tranquillement. Juste vous informer que l'atelier est web diffusé présentement. Donc, il y a peut-être des gens qui suivent l'atelier. Je vais d'ailleurs désactiver ma sonorité sur mon téléphone. Et donc, ce que les gens voient, les gens qui sont à distance, ben, principalement, ce qu'ils vont voir, c'est mon écran qui est partagé. Et il y a une webcam que j'ai installée ici, donc qui fait une captation. On voit monsieur un peu et on me voit surtout. C'est pour permettre à des gens à distance qui n'ont pas pu venir à la COPS de suivre l'atelier et d'avoir un sentiment de présence. Mais ce qui m'intéresse, c'est de leur présenter le contenu. Donc, ils vont avoir accès à ça. Je vous informe de ça parce que vous n'êtes pas principalement dans la vue, mais ce que vous dites va être capté, donc diffusé en temps réel. D'ailleurs, après l'atelier, revenu chez vous, vous voulez revenir sur un bout de l'atelier, venez le voir, bien, vous aurez la chance de le faire. Ça va avoir été enregistré, c'est diffusé en temps réel, mais ça va rester aussi sur YouTube. Donc, vous pourrez y revenir, mais tout ce que vous dites pourrait être retenu contre vous. Non. Donc, même vous, sérieusement, vous allez avoir la chance d'y revenir. Et donc, vous le diffusez avec quoi? Facebook? Avec YouTube. Ça, c'est avec YouTube. Okay. C'est sur YouTube directement. Si vous avez un appareil avec vous, je vous invite fortement à sortir et à vous en servir. Je vais vous demander de vous en servir tout au long de à différents moments pendant l'atelier. Donc, c'est précieux pour vous si vous en avez un, que ce soit même un simple téléphone, ça peut être suffisant. Mais un ordinateur, ça va très bien. Un iPad, une tablette, ça va très bien. Je vous invite à aller directement dans la page de l'atelier. Si vous êtes sur Twitter, j'ai partagé le lien, donc vous pouvez le trouver à cet endroit-là aussi. Mais sinon, vous pouvez scanner le code QR ou noter l'adresse de la page d'atelier qui est ici. Donc, vous pouvez la trouver à cet endroit-là. Et on va donc commencer maintenant, ça vous va? Tout le monde est prêt? C'est en France, vous avez un bel atelier ce matin? Oui, intéressant, un beau colloque jusqu'à maintenant? Oui, bon, c'est bien. Bonjour, bienvenue. Merci. Oui, c'est toujours gênant, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on vous accueille avec plaisir. Donc, bienvenue. Je vais prendre une gorgée d'eau. Droit d'auteur et éducation, un défi éthique à relever. C'est parti. Pourquoi ça, ce défi-là éthique, se pose-t-il? Donc, vraiment ici, comme ça. Eh bien, parce qu'on vit dans un monde où il y a du copyright, droit d'auteur. Vous connaissez ce symbole-là? Alors, droit d'auteur, est-ce que quand on dit droit d'auteur, le symbole qui représente le droit d'auteur, c'est ce symbole-là? Êtes-vous d'accord avec ça, tout le monde? C'est un des symboles. C'est un des symboles. Très intéressant, Sébastien, comme nuance, hein? Parce que d'emblée, quand on dit droit d'auteur, on pense à copyright, et ce qu'on voit, c'est le copyright, c'est le symbole. Mais aujourd'hui, le numérique nous oblige à redéfinir le droit d'auteur. Et donc, copyright, ce symbole-là, n'est plus le seul symbole pour parler de droit d'auteur. Oui? Juste pour mentionner, tu as partagé ta présentation des droits de modification. Oui, tout à fait. Ouais, c'est parce que tout à l'heure, je vais vous demander d'amener du contenu dans ma diapositive, dans mon diaporama.
Donc, oui, étant modification, c'est volontaire, c'est voulu. Okay. Alors, je prends des risques. J'y vais, je go, je plonge. J'ai même partagé ça sur YouTube, sur Twitter. Donc, la planète entière peut venir bousiller mon atelier. Donc, ça peut arriver. C'est un risque que je prends avec lequel je suis capable de vivre. Donc, mais heureusement, dans Google Présentation, il y a une historique. Alors, au pire, je reviens dans l'historique depuis que je ramène où on était avant. Puis, on parle tout ce que vous avez fait. Donc, copyright, c'est le symbole que l'on connaît communément. Mais copyright, on sait qu'en éducation, c'est devenu, depuis l'arrivée du numérique, ça pose un problème sérieux. Et quel est ce problème-là? C'est que tant qu'en classe, on utilise un livre, le livre qui soit protégé par un droit d'auteur, ben, ça peut aller parce que le reproduire, le livre, c'est pas si simple que ça. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec un photocopieur, on peut le faire quand même assez facilement, assez rapidement. Mais disons que si moi, je le photocopie dans ma classe et que je le présente à mes élèves, ben, ça va rester là. Mais dans le numérique, à partir du moment où on copie quelque chose, ben, sa portée est beaucoup plus grande et ça amène toutes sortes de défis. Hein? Le fait d'avoir des produits, des contenus protégés par des droits d'auteur. De plus, la majorité des contenus numériques qu'on utilise en classe proviennent de quel endroit? D'Internet. Alors, Internet, ben, la grande majorité des contenus qu'on trouve dans Internet, ben, ces contenus-là sont protégés par des droits d'auteur. Donc, si ce n'est pas dit que c'est libre d'utilisation, ben, ça veut dire que c'est protégé par défaut. Donc, le contenu numérique, on est limité. Bien sûr, la loi canadienne sur le droit d'auteur vient un petit peu inverser la responsabilité de bien identifier ses droits, surtout en ce qui a trait à l'éducation. Alors, quand on va sur un site web, si ce n'est pas bien indiqué que c'est protégé par des droits d'auteur, on peut présumer que c'est libre d'une certaine liberté d'utilisation. Mais disons que souvent, ce n'est pas clair, puis on est dans des zones floues. Souvent, c'est ça le plus gros problème. L'autre chose pourquoi c'est un problème sérieux, c'est que quand on est avec des élèves et qu'on veut leur permettre de construire leur savoir, leur représentation, ben, les élèves ont besoin de prendre des contenus pour les déconstruire et reconstruire leur propre représentation. Et quand on est dans des contenus numériques qui sont protégés par des droits d'auteur, ben, théoriquement, nos élèves n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de déconstruire des contenus pour les reconstruire autrement. Donc, copier-coller, entre autres, donc, théoriquement, pas le droit de faire ça. Okay? Dans la grande majorité des cas. Alors, aujourd'hui, oui? Monsieur, est-ce que vous pouvez dire l'acte de faire le copier-coller pour ensuite en faire un plan? Ou juste, je m'inspire d'un site pour écrire quelque chose. Je parle surtout du copier-coller, mais quand on est avec des outils numériques, souvent, inspiré de quelque chose pour reconstruire de quoi, on assemble des morceaux de casse-tête ensemble, puis on a fini par faire, pour être efficace, on fait du copier-coller souvent, qu'on peut remodifier, qu'on peut adapter, changer, bonifier, mais souvent, il y a une bonne partie de copier-coller. C'est la mécanique de copier-coller qui cause problème. Ben oui. Bonjour, bienvenue. Installez-vous, prenez place. Oui, la mécanique, parce que théoriquement, si un produit, un contenu est protégé par le droit d'auteur, un droit d'auteur, ben, on n'a pas le droit de faire un copier-coller, à moins que l'auteur nous le permette ou qu'on en demande, on en fasse la demande. OK, en théorie. Oui. Pour compléter, par contre, dans la loi sur le droit d'auteur, l'idée qui est derrière quelque chose peut aussi avoir une protection. Il n'y a pas que l'acte de copier-coller, mais si quelqu'un fait une démonstration X dans un élément, puis qu'on refait la même démonstration sur l'appropriant, on peut en contrevenir au droit d'auteur. D'ailleurs, c'est intéressant que vous apportiez ces questions-là, parce que la question du droit d'auteur, c'est pas une seule chose. Hein. Parce que même quand on parle de droit d'auteur, il y a différents types de droits d'auteur. Il y a des droits moraux, donc reconnaître l'idée, le texte, le contenu, une production à quelqu'un. Les droits ensuite d'utilisation, est-ce qu'on a le droit de le reproduire, de le dupliquer, de le partager, de le publier, etc. Ça, c'est tous des droits différents que donc on peut, un auteur d'une production peut déterminer que certains droits, il les cède ou il donne des autorisations, puis d'autres non. Donc, tout ça est mis en cause dans la question du droit d'auteur et complexifie la gestion du droit d'auteur. Hein. Parce qu'on peut dire, moi, je veux que tu reconnaisses mon travail, mais tu peux faire ce que tu veux avec. Alors, donc, il y a quand même un droit d'auteur là. Mais quand on est dans du copyright, c'est a priori, tu as le droit de rien faire, sauf si tu me demandes et que je te dis. Bon.
quand c'est copyright. Donc, on va aller à la diapo suivante. Je vous invite à prendre. Oups, ça va trop vite, c'est pas ça que je voulais. C'est automatique, hein? Non, c'est ça. Un bloc-notes collectif, je vous propose qu'on partage nos notes. Donc, c'est pour ça que je vous disais, sortez vos appareils. Je vous propose deux avenues pour partager vos notes. J'ai préparé un Google Document, donc il y a le lien vers le Google Document ici. Vous pouvez, si vous êtes dans la diapositive, simplement cliquer sur le lien, ça va l'ouvrir dans un autre onglet. Donc, vous pourrez prendre vos notes à cet endroit-là. Vous inscrivez votre prénom dans la case de gauche. C'est juste une photo, ça n'apparaîtra pas ici. C'est juste une capture d'écran pour vous montrer ce que c'est. Donc, vous pouvez faire écrire votre prénom dans la colonne de droite et aller noter vos trucs dans la colonne de gauche. Et la deuxième avenue que je vous propose, mais c'est simplement, si vous avez un compte Twitter, c'est d'utiliser Twitter et de partager tout au long de l'atelier les choses qui vous font réfléchir ou que vous trouvez des ressources que vous trouvez intéressantes. Donc, je vous invite à les partager sur Twitter en utilisant le mot-clic ACOPS. Donc, comme plusieurs personnes le font depuis le début du colloque. Donc, ce sont les deux avenues parce que faire les deux, il y en a qui le font, mais disons que c'est plus exigeant. Okay? Donc, et ça risque qu'on ait un peu moins d'attention. Donc, je vous invite à choisir une des deux options et à prendre vos notes. Si ça ne fonctionne pas l'un ou l'autre, ben peut-être prenez vos notes en quelque part, puis quand vous serez de retour après l'atelier, vous aurez du temps, essayez de copier contenu, votre contenu et aller le coller dans le bloc-notes collectif. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air, ce bloc-là. Le bloc-notes, c'est donc ça ici. Je vais voir si vous avez écrit vos prénoms et noms, vos prénoms. Certains, déjà, on a commencé quelques-uns à prendre des notes. Donc, je ne sais pas, mis le lien vers le bon bloc-notes. C'est celui que tu as souhaité. C'est pas grave, prenez vos notes, je le changerai tout à l'heure. Je changerai le titre du bloc-notes, c'est pas très grave. Juste quelqu'un qui écoute en vidéo en web diffusion, c'est quoi le lien? Le lien, ben moi je l'ai diffusé sur Twitter, puis j'ai diffusé sur Twitter le lien vers le diaporama et le lien vers la web diffusion. Okay. Alors les gens qui sont à distance peuvent suivre et participer comme vous le faites, de la même façon. D'accord? Je vous invite à partager vos notes. Ici, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé. Alors, je vais vous féliciter. Oups. Oh. Ah, c'est ça. Donc, je vous invite à prendre inscrire votre prénom comme ceux qui l'ont fait, ceux qui utilisent ce moyen-là, et prendre vos notes à droite. Je vous invite fortement à partager avec les autres. Et pourquoi je vous invite à partager avec les autres? Eh bien, je vous raconte rapidement une petite anecdote que je raconte à chaque fois que je partage un bloc-notes. C'est la suivante. Je suis dans un atelier à la CAP. C'est vous la CAP? Prof du primaire ici? Les enseignants du primaire? Personne du primaire? OK. Vous êtes quoi? Secondaire? Adulte? Secondaire, tout le monde? Mélange. D'accord, parfait. Donc, je donne un atelier, je mets un bloc-notes, puis une enseignante qui vient me voir à la fin de l'atelier. Elle vient me dire bonjour, M. Petit. Elle me vous voit. Okay? Mais vous avez le droit de me tutoyer, c'est correct. Mais elle me vous voit, M. Petit. Je voulais vous dire que je suis déçu. Il dit, je suis déçu. Okay. Écoutez, c'est pas parce que les gens ne peuvent pas être déçus des ateliers, mais les gens qui sont déçus d'habitude, là, ben, ils s'en vont avant la fin. Ils l'écrivent dans l'évaluation, mais ils ne viennent pas me le dire. Les gens qui restent à la fin, c'est pour me poser des questions, pour échanger sur le sujet, mais pas pour me dire qu'ils sont déçus. Elle me dit, je suis déçu. Puis là, moi, je suis surpris, mais en même temps, je suis déstabilisé. Un choc cognitif. Et mais en même temps, je me demande pourquoi elle est déçue? De quoi elle est déçue? Je me dis, ah oui, mais comment ça? Elle me dit, mais je suis déçue du bloc-notes collectif. Oh, deuxième choc cognitif, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Pourquoi elle est déçue du bloc-notes collectif? Je dis, ah oui, comment ça? Elle me dit, mais vous avez proposé ça au début de l'atelier, puis j'ai trouvé que c'est une idée géniale. Alors, j'ai pris plein de notes tout au long de l'atelier. À la fin de l'atelier, j'ai voulu voir les notes des autres, et bien, il n'y en avait pas. Pas de notes. Alors, je suis vraiment déçu. Alors, j'aimerais ça, quand vous aurez d'autres ateliers, que vous insistiez pour que les participants prennent des notes. J'insisterai pas, mais je vous ai raconté ça. Alors, ça vous appartient maintenant, mais comme j'ai dit, c'est pas le moyen unique, le bloc-notes. Vous avez aussi Twitter, donc un ou l'autre. Je vous invite fortement à partager avec les autres, permettre aux gens qui ne sont pas ici aussi d'accéder à ce qu'on a. Gardez des traces, parce qu'on n'a pas tout le monde les mêmes idées, on ne réfère pas aux mêmes choses, donc on ne retient pas les mêmes choses, tout le monde, de la même présentation. Donc, je continue. Une mise en situation. Alors, j'ai appelé mon atelier « Des défis éthiques à relever ». Alors, on va se mettre en mode réflexion.
tout au long de l'atelier. Alors, aujourd'hui, donc, je vais parler un peu du concret, des moyens pour travailler un peu le droit d'auteur, mais ce n'est pas l'objectif premier de mon atelier. L'objectif premier, c'est de nous mettre en réflexion et d'envisager d'autres possibilités, d'accord? Que celles qui nous sont et qui vont être d'évidence pour nous tous. Donc, pour amorcer la réflexion, je vous invite à écouter une vidéo. C'est un montage, une animation que j'ai faite il y a 2 ans pour le collègue de l'APSDS. Est-ce que vous connaissez l'APSDS? Ça vous dit quelque chose? OK. Non? Vous ne connaissez pas le collègue de l'APSDS, hein? C'est l'Association des bibliothécaires et techniciens en bibliothéconomie de nos commissions scolaires. Donc, ils m'invitent pour parler de droit d'auteur et d'éthique, évidemment. Alors, avec eux, je leur ai soumis cette vidéo-là, puis je vais vous partager les réflexions qu'eux ont faites. Je vais vous inviter, vous, par la suite, à enrichir cette même réflexion-là qu'on avait amorcée avec des bibliothécaires. Mais là, on va aller chercher le regard d'enseignants, de pédagogues, de direction d'école, qui sont aux prises avec ces mêmes problématiques. Donc, on écoute cette vidéo, ce montage vidéo-là. Je vous invite à vous demander, puis en écoutant la vidéo, selon vous, il est question d'une enseignante dans cette séquence vidéo. Et elle va faire toutes sortes de choix qui posent peut-être des problèmes, des questions éthiques. Et je vous demande de vous demander, selon vous, est-ce que cette enseignante-là respecte le droit d'auteur ou non? D'accord? Ça vous va? OK? Bon, alors, on écoute attentivement. Est-ce que Marie respecte le droit d'auteur selon vous? Oui, sauf YouTube. Oui, sauf YouTube. Tout le reste, c'est correct, mais pas YouTube. Mais tout est bien dans la classe, c'est ses copies. Pardon? Tout allait bien dans la classe, c'est ses copies. C'est l'enregistrement audio. L'enregistrement audio. C'est quand même diffusé dans l'école, fait que c'est dans un milieu éducationnel privé. C'est pas public. OK. Partagez cette lecture. Oui? J'aimerais ça qu'il y a beaucoup d'aspects sur le temps. La page d'ouverture, l'utilisation même de différentes copies, de grandes copies, de reproduction, tout ça. Mm-hmm. Je suis réaliste, par contre, c'est l'une des choses que je pourrais très bien faire. Mm-hmm. D'accord. OK. D'autres points de vue? Mais c'est ça, je partage ce que tu m'as dit, parce que là, on a des extraits du roman. Ça appartient à l'auteur, c'est-à-dire à la maison de l'édition. La photo de l'auteur, si on commence à diffuser la photo du monde, moi, ma photo, puis je ne sais pas, j'aimerais ça le savoir. Hein. Ça fait que, puis il y a plein d'éléments là-dedans. Parce qu'on joue aussi où est-ce que c'est diffusé, comme à l'intérieur de l'école, au niveau éducatif, ça, j'ai moins de problèmes. Mais aussitôt que ça sort, ça complexifie. Ça complexifie les choses. OK, d'autres, il y avait Pierre, tu avais dit. Non, moi aussi, là, c'était le fait, l'enregistrement audio de l'ouvrage, déposé à la bibliothèque, YouTube. Au début, là, ça partait bien. Là. Encore le même, je veux dire, c'est presque surréaliste. Il y a beaucoup d'achats, là, mais ouais. c'est bien quand même. Là. Ouais. Je le dis, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? OK. Mais la distribution, elle a acheté une copie numérique. Oui. Et ensuite, elle a distribué à ses élèves. Uh-huh. Et
Moi, ma première question, c'est est-ce qu'elle avait le droit? Parce que c'est possible qu'elle ait le droit, mais est-ce qu'elle avait le droit? OK. Dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que ça pose beaucoup de questions parce qu'entre autres, il y a des informations qu'on n'a pas. Hein? Quelle information nous manquait pour savoir si elle respecte le droit d'auteur dans certains cas? Quelles sont les conditions de partage du roman en question? On n'en a pas parlé. Ce roman-là, y a-t-il des conditions? C'est-tu copyright ou c'est d'autres choses, ce roman-là qu'elle a utilisé? Donc déjà là, c'est une bonne... D'autres informations qui pourraient nous manquer? La diffusion sur YouTube, est-ce que c'est privé ou est-ce que c'est... C'est une diffusion privée, une diffusion qui est non répertoriée ou c'est public? Alors déjà là, ça aussi, c'est une question. Ah, ça change-tu quelque chose? C'est privé, non répertorié ou public? Ou c'est pareil? Ça fait-tu une différence? OK. Moi, je donne pas de réponse, je pose des questions. OK. D'autres éléments qui pourraient nous manquer... Le temps d'utilisation. Combien de temps c'est utilisé? Combien de fois? Ça fait-tu plusieurs fois qu'elle fait ça? Y a-tu plusieurs profs qui font ça à la chaîne avec les mêmes contenus dans l'école? Elle a-tu communiqué avec l'auteur? Elle a-tu communiqué avec la maison d'édition? On ne sait pas. T'sais, dans l'histoire comme elle est là, il nous manque des morceaux de casse-tête. Okay? Mais on présume qu'elle n'a pas fait ça. Parce qu'on sait c'est quoi une vie de classe, on n'a pas le temps de faire ça. Parce qu'on sait que si on veut faire ça, il faut se préparer 6 mois à l'avance. Parce qu'avant qu'on ait une réponse de l'un, de l'autre, qu'on sache ça marche, ça marche pas le cul, on va en essayer avec un autre, etc., etc. Parce qu'il y a des fois des auteurs qui diraient oui à un truc comme ça. Okay? Qui accepteraient, même s'il est protégé par copyright, ils diraient oui à tout ça, ça pourrait arriver. D'accord? J'ai une question oui? Est-ce qu'un auteur a le droit de donner tous les droits? Ah, je veux dire, par rapport à l'éditeur ou... OK. Est-ce qu'on connaît le contrat que l'auteur a avec son éditeur? Est-ce que nous, on le connaît? Non, hein? On ne le sait pas. Alors, le droit, il est à qui exactement? Tout à fait, très bonne question, hein? Parce qu'il y a des auteurs qui développent leur propre maison d'édition parfois parce qu'ils veulent justement avoir le plein contrôle de leurs droits. Alors, mais quand j'ai un éditeur, ça m'amène parfois de la visibilité, une mise en marché, une relecture, une critique qui me permet d'être plus efficace, d'avoir une meilleure production. Donc, l'éditeur, il travaille, il faut qu'il y ait un gain lui aussi. Donc, c'est trouver cet équilibre-là. Il y a d'autres acteurs qui pourraient être en cause dans ça qu'on n'a pas nommé. Puis d'autres, là, on a nommé l'enseignant. On a nommé l'auteur, on a parlé de l'éditeur, il y a tout ça. L'élève pourrait être en cause là-dedans. Et donc, par conséquent, si l'élève peut être en cause, les parents, d'accord. Tu as quelqu'un d'autre qui pourrait être en cause là-dedans? L'école. Les bibliothécaires, l'école, c'est qui ça? Ben, je veux dire la direction. La direction d'école, oui, tout à fait. Donc, toutes ces personnes-là pourraient être en cause dans la situation. Il y a même les sociétés de gestion. C'est quoi une société de gestion? Ça veut-tu quelque chose? Parce que souvent, on pense que ça passe direct à l'éditeur et l'auteur. Il y a un intermédiaire entre l'éditeur, l'auteur et l'école. C'est ce qu'on appelle les sociétés de gestion. CopyBet, vous connaissez? Oui, hein? C'est une société de gestion. Donc, nous, on a aussi, en plus de ça, un intermédiaire qui a négocié des contrats auxquels, nous, la plupart de nos commissions scolaires ont adhéré par le biais du ministère de l'Éducation, une entente qui a été faite sur un usage équitable qu'on retrouve dans la loi. Donc, ça aussi, c'est des éléments, je vais y revenir tout à l'heure là-dessus, l'usage équitable, l'utilisation équitable, ça fait partie de la loi, mais nos commissions scolaires adhèrent souvent au contrat qui a été signé avec CopyBet, qui vient décrire, définir ce qu'est une utilisation équitable. Mais le 10%, c'est pas dans la loi, ça. Okay? C'est une entente avec une société de gestion. Donc, il y a aussi les sociétés de gestion. On comprend que c'est complexe. C'est très complexe, la question du droit d'auteur. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, comme enseignant, quand je suis en action, puis demain, je veux faire telle activité avec mes élèves, que je trouve ça donc bien génial, que je n'ai pas le but d'attendre de faire tout ça, ben, je fais des choix. J'agis, et je fais ce qu'on appelle gérer le risque. Je gère un certain risque. Et puis, à un moment donné, il y en a qui sont prêts à aller plus loin dans le risque, comme elle sur YouTube, et d'autres qui vont moins loin. Okay? Ils restent
restreindre ça à l'interne de l'école ou à l'interne de la classe. Okay? Mais les mêmes questions se posent. Peu importe que je pas exactement les mêmes, mais plusieurs des questions sont les mêmes. Alors, ce que je vous propose, c'est de. Parce que j'ai dit, on va faire de la réflexion éthique. On va essayer de se demander comment la réflexion éthique peut nous aider à trouver des pistes de solutions pour gérer le droit d'auteur. Parce que ça pose plusieurs questions éthiques. Alors, entre autres, parmi les questions éthiques, pouvez-vous me nommer des questions éthiques que la situation qu'on vient de voir soulève pour vous? Donc, avec un point d'interrogation à la fin. Donc, je vous demande de me nommer des questions éthiques qui sont soulevées par cette situation. Oui? Mais à qui ça fait du tort? À qui fait du tort cette situation? Bonne question. D'autres questions éthiques qui sont soulevées pour vous dans cette situation? Oui? C'est posé avec une mauvaise intention. Ah, quelle est son intention? Est-ce que c'est une mauvaise intention ou une bonne intention? OK, intéressant. D'autres questions éthiques que ça soulève pour vous? Est-ce bien de faire ça? Est-ce bien de faire ça? Oui. Quel exemple je donne à mes élèves? Est-ce que je suis en train de leur montrer que c'est pas important de respecter le droit d'auteur ou bien non, je suis en train de faire justement le contraire? Oui. Est-ce que mon geste pourrait favoriser l'auteur? Est-ce que mon geste pourrait favoriser l'auteur? Très intéressant. D'autres questions éthiques soulèvent cette situation qu'on vient de regarder ensemble. En avez-vous d'autres? Pensez-y. Un peu. D'autres questions? Oui? Quelles pourraient être les conséquences pour l'enseignant? Quelles pourraient être les conséquences pour l'enseignant de faire un tel, de poser, de faire tout ça? Effectivement. Très intéressant. Oui? Si je suis une collègue enseignante, est-ce que je devrais le dire à ma direction? OK, si je suis témoin de ça, est-ce que je devrais le dire à la direction? Je le dis-tu? Je pose-tu des questions? À qui je pose des questions? Hein, oui, tout ça. Donc, effectivement, ça peut placer des collègues dans cette situation-là. Dans les questions que vous venez de soulever, il y a des questions qui sont vraiment des questions éthiques, puis il y en a d'autres qui sont des questions morales. Pouvez-vous me dire lesquelles sont lesquelles et pourquoi? Comment tu dis? La dernière. De se demander est-ce que je dénonce mon collègue ou pas? C'est à la fois moral et éthique. C'est à la fois moral et éthique. Éthique professionnelle. OK. Ça touche à l'éthique professionnelle. Mais cette question-là, est-ce qu'on peut dire que c'est une question morale ou une question plus éthique? Morale. Morale? Vous êtes d'accord avec ça, les autres? Je dirais morale. Morale? Tout le monde est d'accord avec ça? Éthique. Toi, tu dirais éthique? Pourquoi? Ça arrive de chacun. Question personnelle, puis selon ton point de vue, tu peux être pour ou contre. OK. Quand c'est éthique, quand c'est personnel, c'est éthique, mais c'est pas moral. Moral, c'est clair. Moral, c'est clair. Ouais, c'est il n'y a pas de flou dans le moral. Par exemple, ce serait quoi les conséquences? C'est ça les conséquences si pas on fait ça. Dans ce qui est éthique, il peut y avoir de punition. Il n'y a pas de OK. Vie, vous êtes d'accord avec ça? Quand il y a une question de bien ou de mal, on est pas mal. C'est pas mal moral. C'est pas mal moral. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées qui étaient à cette saveur-là. Okay. Je soupèse le bien et le mal. Ouais. La question même de l'intention, je fais qu'on dirige un peu vers l'est. Là, ce serait moral. Parce qu'en éthique, il n'est pas question du bien ou du mal. Mais c'est ça. C'est pour ça que je trouvais que d'essayer de départager ces deux éléments-là, ils sont pas un peu imbriqués les uns. Ils sont-ils imbriqués? Est-ce que vous êtes mêlés? L'éthique, c'est plus référence à. Aux autres, aux sociétés, au vivre ensemble. Au vivre ensemble, oui. Pas la morale politique, pas la morale. OK. Ce que je viens de faire avec vous, là, présentement, je viens d'essayer de mettre en pratique ce que Yvonne nous a demandé de faire hier, c'est-à-dire de provoquer. OK? Là, je viens de provoquer un conflit cognitif chez vous. J'ai fait exprès. C'était volontaire. C'est une stratégie que j'ai mis en place. Je vous ai posé une question d'emblée qui avait l'air évidente sur un concept qui est très proche d'un autre. Et donc, il y a des nuances très minces entre les deux. Puis, je vous ai demandé de me soumettre des questions éthiques. Là, je vous ai demandé lesquelles. Là, je vous ai demandé d'essayer de me dire vos différences. Et là, on est tout mêlé. Alors, donc, ça, c'est vraiment très efficace pour apprendre. Parce que là vous dites dans votre tête, « Vas-tu nous dire la réponse? » On veut le savoir. Hein? Donc, on est très, très, très efficace.
Donc, ce que je vais faire, au lieu de vous donner la définition tout de suite, je vais vous donner des exemples de questions éthiques que moi je considère éthiques. Et on va essayer de voir c'est quoi leurs caractéristiques, on va les distinguer des questions morales, puis on va voir leur effet aussi, on va voir que c'est pas pareil. Ça n'a pas le même effet une question morale qu'une question éthique. On va se rendre compte. Donc, des questions que plusieurs d'entre vous faites déjà dans plusieurs contextes en français, entre autres, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, ce sont des questions combien? Ce sont des questions factuelles. Hein? Donc, des questions qui nous aident à bien cerner la situation dans laquelle on se situe, on est. Alors, tantôt, je vous posais la question, qui est en cause dans cette situation-là? Au départ, vous aviez en tête qui? Vous aviez en tête l'enseignant, l'auteur, peut-être la maison d'édition, mais c'était les trois que vous aviez. Quand je vous ai dit, est-ce qu'il y a d'autres mondes de concernés? Là, vous avez fait quoi? Vous êtes sorti de votre cadre. Vous dites, OK, ça se peut qu'il y en ait d'autres. Hein, c'est qui d'autres? On sort et là, on va dans la créativité, on va dans la recherche. On sort en dehors de ce qui est convenu, de ce qui va de soi, de ce qui est qui va d'emblée. En réflexion éthique, une des choses qu'on cherche à faire, c'est justement de sortir de ce qui est dans l'évidence. Donc, d'aller au-delà de ce qui sort d'emblée. Donc, juste se demander une toute petite question qui serait qui fait en sorte qu'on regarde comme ça, tout d'un coup, on ouvre nos horizons. On regarde les choses autrement. Alors, en réflexion éthique, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ouvrir les horizons. Aussi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'on sait toute l'information? Quelles sont les informations qui nous manquaient tantôt qu'on a nommées? On a nommé plusieurs informations. Donc, si on veut savoir le quoi, bien, il faut peut-être aller chercher cette information-là. Essayer de trouver c'est quoi. As-tu parlé à l'auteur ou pas? As-tu fait ces démarches-là? As-tu parlé à ses collègues? As-tu parlé à sa direction d'école? Les parents sont-ils au courant? La vidéo sur YouTube, es-tu pleine publique ou restreinte? Ou est-ce privé pour la classe? Donc, toutes ces questions-là, où, quand, comment on a fait ces choses? Pourquoi? Vous l'avez posé la question tout à l'heure. C'est à quoi son intention? T'sais, est-ce que la vidéo qu'on a, là, on sent qu'elle a l'intention de brimer le droit d'auteur? Ou on sent qu'elle a une volonté d'essayer de le respecter quand même? Oui, hein? Elle veut acheter des livres. Elle a un budget limité. Elle achète tout ce qu'elle peut avec son budget. Elle en a reproduit une partie, mais elle n'a pas toutes. Des copies numériques, elle se dit, bon, OK, elle n'utilise pas tout le temps. Bon, elle essaie d'être équitable, mais c'est ses limites. Des fois, elle fait des choix. Donc, tout ça, ces questions-là sont des questions qui nous aident à réfléchir sur la situation et à comprendre la situation. Donc, en réflexion éthique, puis en fait, si on veut distinguer éthique de morale, c'est qu'on va s'intéresser surtout aux verbes. D'accord? Au Québec, on a fait un choix de distinguer l'éthique de la morale avec le programme Éthique et culture religieuse en disant on va avoir notre compétence, ça va être réfléchir sur des questions éthiques. Alors qu'avant, dans les anciens programmes de morale, la compétence, c'était se positionner sur des questions éthiques, sur des enjeux qui comportent des questions éthiques, sur des situations qui comportent des questions éthiques. Alors, donc, on vient de changer la donne, et ce que ça fait comme différence énorme, qui a l'air banal, c'est qu'on ne cherche pas à trouver la bonne solution, mais on cherche à comprendre l'ensemble de la situation et à trouver un ensemble de solutions. On va y venir tout à l'heure. Donc, quand on est en réflexion éthique, si on fait une différence, parce qu'au sens, étymologiquement parlant, les deux mots veulent dire la même chose. Okay? Il y en a un qui vient du grec, l'autre du latin, mais dans les deux cas, si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte qu'ils ont la même signification d'origine. Et au Québec, on a fait un choix culturel. D'ailleurs, il y a des éthiciens, par exemple français, qui vont vous dire, ben non, le sens que vous donnez, c'est l'inverse. Hein? Nous, la morale, c'est la réflexion sur ce qui est en cause. Puis l'éthique, ben, un code d'éthique, c'est une règle à suivre. Donc, c'est ce qu'on doit faire ou pas. Donc, alors qu'au Québec, on a fait le choix inverse et c'est culturel chez nous. Ça vient de chez nous, quand on dit je te fais la morale, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un jugement, je suis en train de te dire comment agir correctement. Okay? Puis aujourd'hui, on dit souvent. On veut que les gens se comportent de façon éthique. En fait, c'est plus la morale. On veut qu'ils se comportent de façon correcte, adéquate. Alors, quand réflexion éthique, voyez-vous, c'est le verbe réfléchir. On va réfléchir. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est de réfléchir sur des questions éthiques à partir de questions factuelles.
Tout à l'heure, on disait qu'il y avait plusieurs personnes impliquées dans la situation, mais en réflexion éthique, on va s'intéresser au point de vue des différentes personnes. Et Mathieu, tu disais tout à l'heure, en éthique, j'ai mon point de vue, mais dans ce qu'on essaie de distinguer entre l'éthique et la morale, on va plutôt dire qu'en réflexion éthique, on va s'intéresser à un ensemble de points de vue, on va essayer de comprendre les points de vue de chacun des acteurs dans la situation. Alors qu'en morale, on va essayer de dire quel est mon point de vue à moi. OK? Et qu'est-ce qui fait qu'on a plusieurs personnes et que chaque personne n'a pas le même point de vue? Bien, c'est entre autres parce qu'on n'a pas tout le monde les mêmes repères. On ne se base pas tout le monde sur la même chose pour porter notre jugement ou prendre nos décisions quand il y a une question éthique. Quand je dis repères, il y a toutes sortes de repères. Hein? Il peut y avoir des repères scientifiques, des repères légaux, il peut y avoir des repères de toutes sortes. Mais en réflexion éthique, souvent, on va au moins s'intéresser au minimum à deux de ces repères-là, qui sont les normes et les valeurs. OK? Bon, qu'est-ce qu'une norme? Oui. Ben, ouais, vas-y, dis ce que. Vas-y. Je m'en allais sur, à ce moment-là, la morale fait référence peut-être à quelque chose qui est déjà préalablement partagé dans une communauté, dans une société. Alors que dans les questions éthiques, on sous-entend qu'il y a des repères, des normes, des valeurs qui sont différentes de personnelles. On pourrait le dire comme ça, mais en fait, ce qu'on va distinguer, c'est plus une morale personnelle, une morale collective. Alors, on va avoir, par exemple, les valeurs de la société qui, par exemple, vont se refléter dans nos chartes, qui vont dire ben, on a un consensus social autour d'un certain nombre de valeurs. Et donc, on pourrait dire que c'est notre morale collective. Et quand on dit quelqu'un agit correctement, se comporte adéquatement ou a un comportement éthique, ce qu'on réfère, en fait, c'est il se comporte selon ce qui est attendu dans la société dans laquelle nous sommes, autour des valeurs, donc à partir des normes que l'on s'est données, qui sont bien sûr dictées par nos valeurs, donc les choix que l'on fait comme société. Donc, ces deux éléments-là, tout à fait, alors que la morale personnelle, c'est comment moi je structure mes normes et mes valeurs. Quelles sont mes normes à moi? Okay? Quand on dit normes, là, vous me donnez des exemples de normes. Est-ce que le légal fait partie des normes? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et un exemple de norme, les lois, ce sont des normes. OK. Avez-vous d'autres exemples de normes? Les règles de l'école, par exemple. Donc, ce sont des normes que l'on a. Est-ce qu'il y a d'autres types de règles? De normes? Les copy-becs, les ententes qu'on a, ce sont des contrats, ce sont des normes. Ça établit des normes par des contrats. Les habitudes. Les habitudes, oui, tout à fait. Ce qu'on appelle des normes implicites ou tacites. Donc, qui vont de soi, donc nos habitudes, nos manières de faire, notre culture. Vous êtes déjà arrivé, jeune enseignant, dans une nouvelle école, là, vous avez vu qu'il y avait telle affaire qui se faisait comme ça, puis vous avez peut-être dit, « Hey, on pourrait peut-être faire ça autrement. » Puis là, il y a un enseignant d'expérience qui a mis son point sur la table qui a dit, « Ici, on a toujours fait ça comme ça. » Et qu'est-ce qu'il devait faire en faisant ça, cet enseignant ou cet enseignant-là? Voici la norme ici, c'est une norme non écrite, mais qui y va de soi, puis il n'y a pas question qu'on sorte 5 minutes plus tôt pour aller faire ça ou ici ou ça, parce que c'est comme ça. Okay? On ne changera pas la chose. Donc, ça devient des normes. Et puis, les normes, hein, on en a de tous ordres, des normes tacites. On en a qui sont familiales, on en a qui sont sociales. Hey, vos jeunes, c'est surtout du secondaire, les ados dans les écoles, ils en ont des tonnes de normes entre eux, là, non écrites, là. On ne se tient pas à telle place, on ne fait pas ça, on ne sait pas ce gang-là, on ne s'habille pas comme ça, on ne porte pas des vêtements de tel magasin, on porte tout, pas ci, pas ça. Et il y a des tonnes de normes. Hein? Je donne un exemple. Ma fille, il y a une couple d'années, elle était adolescente, et puis elle vit chez sa mère, elle était chez moi un soir, et puis elle dit, « Papa, je peux-tu inviter des amis à la maison? » Oui, pas de problème. Alors, tout d'un coup, moi, je suis en train d'intervenir dans mon bureau, puis, soudainement, j'entends ma fille monter les marches, tout, puis ça va répondre à ses amis à la porte. Et là, moi, je suis là, hein? Ouais, je n'ai pas entendu la porte sonner. Je vais aller les accueillir, je m'avance à l'entrée. Bonjour, bienvenue à la maison. Je suis désolé, je n'ai pas entendu la porte sonner. Et là, ma fille me répond, en ado. Ben là, ils n'ont pas sonné. Je dis, non. Je dis, ben non, ils m'ont texté. Ah, OK, ils t'ont texté en s'en venant pour te dire qu'elle arrivait? Non, non. Ils t'ont texté en débarquant de l'auto, là, puis te dire qu'il rentrait? Non, non. Ils t'ont texté à quel endroit? Ben, sur le balcon. Là, moi, je comprends rien. Je me dis, quoi? T'as un bouton, tu peux juste poser sur le bouton, mais non, il faut que je te texte.
Là, moi, elle me dit, ben là, ça va-tu? Je dis, oui, ça va. Fait que là, le lendemain, je vois ma fille. Là, je ne veux pas mettre mal à l'aise. Alors, le lendemain, je vois ma fille, je dis, ah, en passant, oh, de... comment ça se fait que. Yann, je n'ai pas trop compris. Bon, c'est quoi le problème? Là, c'est pas que c'est un problème. D'accord, je veux juste comprendre. Ah, OK, d'accord. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais je dis, je ne comprends pas pourquoi tes amis, au lieu de simplement peser sur un bouton, ils ont pris le temps de texter un message pour te dire qu'il est arrivé. Tu as dit, mais c'est évident. Oh, c'est évident. Tant que ça. OK, moi, dans ma tête, je me dis ça. Je me dis, hein, c'est si évident. Parce que moi, je ne comprends pas. Là. Ah, donc, elle dit, mais oui, c'est évident. Elle dit, ben oui, qu'est-ce que tu penses qu'il y a mieux? Tu vas répondre par moi qui connaisse ou même par un vieux qui ne connaisse pas? Ah, là, ça, c'était un coup bas. C'est le coup bas, là, le vieux. Qu'est-ce que tu réponds quand j'avais 15 ans, un gars de mon âge? C'est un vieux. Hein, c'est ça. Donc, fait que là, elle dit ça. Fait que là, je dis, ah, OK, OK, je comprends. Elle dit, mais c'est quoi, en quoi ça dérange? Et je dis, ben, c'est pas que ça dérange, mais peut-être que ça pourrait déranger. Elle dit, ah oui, en quoi ça pourrait déranger? Ben, je dis, tu sais, on est en famille ici, nous autres, des fois, on est entre nous autres dans notre intimité. Des fois, tu sais, ça peut arriver qu'on se croise pour être en petite tenue, puis ça va. Mais tu sais, si tes amis rentrent dans la maison, puis je le sais pas, peut-être qu'ils vont une surprise, puis ils vont aussi, hein? Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. OK. Que, bien sûr que ses amis ne sonnent pas maintenant. Mais quand elle va répondre à ses amis, elle informe tout le monde qu'elle s'en va répondre à la porte. Bon, je m'en vais répondre, mes amis sont arrivés. Donc, elle s'organise qu'on soit au courant. C'est ça. Non, c'est un exemple de non, mais et c'est comme ça, hein, il y en a d'autres dans la maison. À chaque fois que des amis viennent les chercher, d'un coup, ben, je m'en vais, mes amis sont arrivés. Oh, OK, oh, c'est vrai. Donc, textos, ils sont textés. Donc, c'est leur mode de communication. Et ça devient une norme. OK? Parce que c'est tout le monde qui fait ça. Donc, ça devient une norme. Et en éthique, là, puis dans la situation qu'on avait là, c'était très évident. On a vu que tout le monde n'avait pas le même point de vue parce qu'on n'a pas tout le monde les mêmes repères et ça génère des tensions. Et c'est ça le cœur de la réflexion éthique. Puis en morale, c'est aussi le cœur. Parce qu'en morale, on essaie de trouver que là, moi, devant un problème éthique, j'ai un problème moral. Moi, je me demande comment moi, je devrais agir. Alors ça, c'est mon problème moral de me demander comment je devrais agir. Est-ce que je devrais, comme Mélanie disait tout à l'heure, est-ce que je devrais en parler? Ça, c'est mon problème moral. Alors, la différence avec la réflexion éthique, c'est qu'on peut essayer on essaie de réfléchir. C'est quoi qui, dans ce qui pose problème à Mélanie, où est-ce qu'elle a un conflit? Où est-ce qu'il est? C'est quel repère, quelle norme, quelle valeur qui entre en conflit et qui fait en sorte qu'elle, pour elle, elle a un malaise dans la situation que Marie ne semble pas avoir? Okay? Donc, on voit qu'il y a une différence entre les deux. Ou du moins qu'ils ne se sont pas parlé, qu'on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas tous les éléments qui sont en cause. Donc, ça génère des tensions entre les points de vue. En réflexion éthique, ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre cet ensemble de points de vue. Il y a une autre partie de la réflexion éthique, mais je vais y venir plus tard. Là, je vais nous mettre en action directement là-dedans. Alors, première chose, c'est qu'on va aller voir ce que différentes personnes, parce que quand j'étais avec à la PSDS, il y avait aussi des sociétés de gestion qui étaient présentes. Il y avait aussi des auteurs qui étaient là. Mais avant mon intervention, j'avais écrit sur Twitter, j'avais invité mon réseau à demander à des auteurs, des éditeurs, des enseignants de venir répondre, d'écouter cette vidéo-là, de venir dire comment eux, ils voient cette situation-là et sur des murs virtuels, des padlets en l'occurrence. Et donc, j'ai consigné leurs réponses sur des padlets, donc pour voir comment eux voient la chose. Et c'est vraiment éclairant de voir comment tout le monde, même d'une catégorie à l'autre, ne voit pas la chose de la même façon. Alors regardez d'abord des auteurs. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont répondu. Il y en a un qui dit, ben, je trouve que ça me semble raisonnable, mais je suis pas assez compétent pour le dire. Il y a sûrement des aspects légaux auxquels je n'ai pas pensé. Donc, même l'auteur lui-même, qui est protégé par ces droits-là, lui-même ne le sait pas trop. Donc, c'est vraiment intéressant. L'autre auteur, wow! Ce serait merveilleux de voir un de mes livres utilisé de cette façon. Surtout qu'une fois l'œuvre étudiée, il ne reste qu'à inviter l'auteur pour une conférence ou un atelier de création. À mon échelle, on peut vivre des ateliers bien plus que des droits d'auteur. D'autre part, la visibilité de ce genre d'activité donne à l'auteur
est considérable. Merci. Mais ce point de vue-là, moi, je le trouve fort intéressant parce que, dans le fond, il nous ramène notamment parce que la musique, l'industrie de la musique a été il y a quelques années. Tu vois, ce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour faire de l'argent avec la musique, il ne faut pas vendre des albums, il faut faire des shows, il faut proposer d'autres choses, il faut être présent, il faut collaborer avec d'autres. Et, fait que, dans le fond, il se passe un peu la même chose à ce stade-là. Il faut donner une valeur ajoutée. Exact. Parce que juste le contenu en soi, c'est trop facile, c'est trop compliqué de gérer. Si tu veux avoir des revenus, amène une valeur ajoutée à ce que tu fais. Puis là, tu vas peut-être. Donc, lui, c'est ça qu'il dit. Moi, j'aime bien mieux ça. C'est bien plus payant d'aller dans les écoles, d'aller animer, d'aller rencontrer, d'aller parler de mon œuvre. Ça la fait connaître. Elle est beaucoup plus lue. C'est pas quand je suis auteur. Oui, je veux vivre, mais ce que je veux, c'est être lu en premier. Donc, ça fait lire mon livre. Alors, lui, il trouve ça génial. Et là, on parle du droit d'auteur. Est-ce que le droit d'auteur, copyright, protège les auteurs? Non. Je ne dis pas oui, pas non, mais je pose la question. Okay? Oui? Non, pas juste le droit, parce que tu as le distributeur, tu as le libraire, tu as le primaire. Tu as la société de gestion, tout ce monde-là. Légalement, l'auteur touche seulement 10%. Ben, ça dépend des contrats qu'il a. Dans la loi du Québec, l'auteur touche seulement 10% de son œuvre, le restant, c'est payant pour le restant. Ça, c'est dans la loi? Je sais pas. Dans la loi sur l'édition? Je ne sais pas, je ne connais pas ces. Ça passait à la facture, parce que pas. OK. Mais je ne sais pas si c'est dans la loi ou si c'est dans la pratique que c'est comme c'est ça. C'est dans la loi. C'est dans la loi? OK. Donc, c'est un minimum. Sur le prix de vente, là. Sur le prix de vente, il doit toucher un minimum de 10%. Non, parce que le pourcentage de chacun est établi très clairement. Et c'est pour ça que tous les autres viennent ajouter leur grain de sel dans le débat sur l'utilisation qu'on fait, oui, justement, du contenu du livre. Parce que c'est de l'argent qu'ils perdent, puis ils en font plus que l'auteur. Oui, bien, ça dépend des acteurs, ça dépend des contrats, ça dépend de la paquet, ça dépend combien d'intermédiaires dans tout ça. C'est pour ça qu'il y a des auteurs qui se créent leur propre maison d'édition, qui décident d'avoir leurs propres outils de diffusion pour avoir touché des meilleurs gains. Oui? Quand je pense à l'auteur de l'auteur en ligne, c'est mélangeant pour les deux extrémités de la ligne, parce que pour l'auteur, pour l'utilisateur, ça dépend, juste quand je mets mon iOS à jour, je n'oublie pas les 49 pages de conditions d'utilisation. C'est impossible. Même si tu les lisais, tu ne les comprendrais pas toutes. Puis même si tu en comprenais une avec laquelle tu n'es pas d'accord, tu dirais tant pis, je veux vraiment ce service-là, je n'ai pas le choix. J'y vais. OK? Tu serais juste plus mal, mais tu le ferais pareil. c'est ça qui arrive. Hein? Donc, intéressant, hein? Point de vue d'auteur. Allons voir maintenant les points de vue d'éditeur ou de société de gestion. Okay? Vous allez voir que c'est plus nuancé qu'on serait porté à le croire. C'est tout simplement à l'encontre des droits permis. La licence est liée à l'usage et à moins d'avoir la permission de la maison d'édition, qui est propriétaire des droits normalement, c'est illégal. Par ailleurs, habituellement, l'éditeur se fera une opinion juste de la valeur éducative et commerciale pour proposer une entente d'utilisation avec ou sans frais selon le cas. Il est par ailleurs illégal d'utiliser un visuel ou un contenu sous copyright sans autorisation ou libération de droits. Donc, c'est vrai que lui, l'éditrice, elle connaît ses droits. Elle dit non, sauf si. Mais comme dans l'histoire, on ne sait pas si elle allait le demander ou pas, mais ça laisse un flou. Parce que là, on présume qu'elle ne l'a pas demandé parce qu'on ne le dit pas dans mon histoire, puis c'est volontaire, je fais exprès pour ne pas tout dire, que ça laisse. Ah, les questions, on se questionne sur la situation. Grand Duc en ligne. La création des élèves sur une œuvre pourrait-elle servir à faire connaître en étant diffusée à son tour? Donc, intéressant, on a un éditeur qui se pose la question, qui se dit, ouais, dans le fond, peut-être que ça serait même plus payant pour moi, ça, que rien de ça. Hein? Quelqu'un en parle. Quelqu'un en parle, il serait connu. Je me demande s'il n'y a pas des avenues. Non, il ne dit pas carrément non. C'est un éditeur. Hein, parce qu'il voit un gain dans cette affaire-là. Robert Soulière, donc un auteur connu, il se mouille vraiment. Tout me semble parfait dans sa démarche. Il faudrait que cette situation se répète pour le papier, du moins, l'année suivante. Le grand problème demeure et demeurera toujours le piratage. Triste siècle pour les créateurs. Lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est super, mais il faudrait qu'elle achète à chaque année son livre, parce que sinon, moi, j'ai besoin de revenus réguliers. Alors, si l'enseignant faisait le même projet, mais qu'elle achète, ou qu'elle fait avec un livre différent chaque année, qu'elle rachète un livre pour le faire, mais là, ça pourrait être acceptable de son point de vue, à lui. OK?
Okay? Puis il est éditeur et auteur. Hey, voyez-vous comment on serait. Moi, j'ai été surpris de ces réponses-là quand je les ai demandées. Je ne m'attendais pas que des auteurs et des éditeurs soient si ouverts. Mais je ne vous dirais pas que les sociétés de gestion sont si ouvertes. OK? Oui. Ce que je remarque, c'est ceux qui sont ouverts, ils se nomment clairement, puis ceux qui disent non, 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 bien là, eux autres, ils veulent rester dans l'ombre parce qu'ils vont se faire juger. Ils peuvent se faire juger, ou ils ne veulent pas être poursuivis, ou ils ne veulent pas être jugés, ils veulent pas que ça affecte leur vente aussi, c'est ou ça. Alors qu'eux, ils peuvent peut-être savoir qu'en ayant un point de vue comme ça, commercialement parlant, ça peut être vendeur. Tu sais, tu vas développer de la sympathie pour ces auteurs, ces éditeurs-là, si tu lis ça de eux. Donc, ça peut leur bénéficier, parce que eux, ça pourrait leur nuire. Alors, c'est sûr qu'ils vont peut-être se protéger. C'est normal. Oui? La question à gauche sur la proportion d'avocats dans la vente. Hein? Ouais. Juste pour tout comprendre, qu'est-ce qui est là, là-dedans. Ouais, ouais. Puis ça ressemble aussi beaucoup à une réponse de société de gestion. OK? Oui, les gens qui font que ça, c'est leur travail. Les sociétés de gestion, ils font que ça, vérifier les droits, puis si tu respectes, si tu es en accord avec la loi ou pas, avec les ententes, Copidec et tout, et tout, et tout. Donc, eux autres, ils vont dire, bien là, on va communiquer avec nous, puis on va considérer votre demande, puis on va vous proposer quelque chose. Hein? Ou on va vous référer à une maison, à la maison d'édition concernée, puis on va dire, entendez-vous avec la maison d'édition. Ça. Oui. Ce qui est étonnant encore, c'est qu'on travaille avec des humains qu'on va intéresser, puis on traite avec des humains, et puis comme ça à gauche, ça met un stress, ça met un... Absolument. Mais il n'y a aucun de ces points de vue-là qui est fermé. Hein? Aucun n'est complètement fermé. Elle ne dit pas non. Ouais. Cette éditrice-là a dit qu'il faudrait qu'on s'en parle, qu'on trouve un terrain d'entente. Donc, elle ne dit pas non. Moyennant quelques sous. Quelques sous. Mais elle a dit. Peut-être. Donc, avec ou sans frais supplémentaire. Ouais. Donc, tu sais, peut-être qu'elle dirait, ben moi, je voudrais que tu en achètes tant. Et puis, si tu veux le faire l'année suivante, tu en rachètes tant. Tu sais, ça pourrait être une entente comme ça. C'est pas nécessairement dire, je veux que tu aies un droit, puis c'est tant, parce que oui, comme là, moi, si je publiais dans une conférence comme ici, du contenu d'un éditeur, il pourrait dire, ben là, attends, il y a combien de monde qui va être là? Ça va être tout un colloque de combien de participants? Ben, si tu mets ça sur YouTube, wow, attends une minute, là, il va y avoir combien de monde qui vont visionner après. Donc, tout ça change hein, pour un éditeur. Moi, c'est la question de contrôle que je trouve particulièrement évidente. Tu sais, l'auteur, c'est comme s'il diffuse un peu, puis il est comme le désir, puis que ça se propage, puis l'éditeur, ben, en fait, dans ces propos-là, même si, par exemple, Suliaire, c'est sûr que ça fait un peu moins je veux garder le contrôle, encore que c'est une proposition, mais tu sais, il y a comme une. Il y a comme je veux que tu me le demandes, j'essaie d'entendre ça, j'essaie de le contrôler, puis tout ça, puis c'est en vrai, ça sort de partout. En tout cas, moi, c'est cette image que j'ai là, par rapport à l'autre. Oui, en fait, c'est parce que ce qu'il dit, c'est moi, j'ai pas le contrôle dans les faits. Tu sais, pour lui, c'est une catastrophe, tout comme les gens de l'industrie de la musique, tu disais, trouvaient ça une catastrophe, puis maintenant, ils sont en train de s'ajuster, puis qu'ils voient que cette guerre-là, ils la gagneront pas, puis que, donc, il faut qu'ils changent leur stratégie, puis leur manière de faire. Et ça nous oblige, tout le monde, à l'échelle de la planète, à repenser le concept lui-même du droit d'auteur. Ça nous oblige à le faire, on n'a pas le choix de faire cette réflexion-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous mets en action. Alors, je vous invite, vous, à répondre à la même question. Alors, vous avez deux choix. Vous pouvez soit aller dans un mur virtuel si vous avez un appareil mobile, parce que des fois, dans un Google présentation avec un appareil mobile, des fois, ça marche, des fois, moins bien. Ça dépend si on a l'application ou pas, etc. Donc, vous avez la possibilité d'aller répondre à cette même question-là. On va donner à peu près 3-4 minutes pour... peut-être vous donner une chance à vous de décrire votre point de vue sur la situation en tant qu'éducateur, enseignant, direction. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ou sinon, la diapo suivante. Non, c'est pas celle-là. Je me trompe. Je pensais que je l'avais quitté. Donc, non, je pensais que j'avais pris. Oui. Alors, je vous invite à aller dans le mur. On va aller le regarder ensemble. Je vous demande d'aller écrire vos réponses à cette question-là. Ah non, c'est sur sur d'autres éléments que je vais vous mettre dans mon diaporama. Donc, on va aller dans le mur virtuel, puis on va aller voir vos réponses à vous. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? On va donc l'ouvrir
dans un tablette. Et donc, j'ai réécrit la description de la situation et j'ai posé ma question. Et je vous demande, vous, en tant qu'enseignant ou apprenant, quel est votre point de vue sur cette situation? Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour proposer une réponse ou deux. Puis, on va revenir sur vos réponses et on va poursuivre notre réflexion ensuite. Ça vous va? Alors, s'il y a des gens qui sont à distance avec nous, bien, vous êtes aussi invités à aller porter, à inscrire vos réponses. Et vous avez le choix de vous identifier ou non, c'est libre à vous. Vous pouvez faire ça anonymement si vous le préférez, ou vous identifier si vous le souhaitez. Ça vous va? La consigne est claire? Oui? Votre point de vue comme enseignant, direction, cadre, apprenant? Oui, bien sûr. Acros, 16, Acros 16, DA pour moi, DA. Tu vas parler de la présentation, tu vas parler de la présentation. Et là, je vais voir. Je vais faire. C'est pas changé, puis tu vas aller à la diapo. Je vais attendre, je ne sais plus quoi. Si vous ne savez pas comment écrire dans la tête, sur un iPad, vous pouvez juste le fier dans le temps. Mais si vous êtes sur l'ordinateur aussi, une chose de... ça vous permet d'ajouter une note. C'est une question sur Mac, Dwayne, tu l'as dans l'App Store, il est gratuit. Dwayne, W-A-N-E, Camera. Tu es dans l'App Store, tu vas la trouver, il est gratuit. Puis tu peux la démarrer, tu dis choisis la caméra, puis tu peux lui dire apparaît par-dessus tout, n'importe quoi. Puis à ce moment-là, elle apparaît, puis c'est pas plus compliqué que ça.
Et on pourrait-tu faire apparaître dans l'âme, par exemple? Dans quoi? L'âme, tu as c'est une modification qui nous permet de faire des thèmes d'abondance. OK. Mais en fait, ça, tout ce que ça fait, c'est que ça met une caméra sur ton bureau. Alors, si dans le vent, on est capable de partager ton écran, ton bureau, oui. Mais sinon, c'est pas dans un espace virtuel, c'est pas dans ma page, là, c'est vraiment sur l'écran. Sur l'écran dans la diffusion vidéo, ce que je partage, c'est mon écran au complet. Et en partageant mon écran, on a la caméra qui est là. On a la table. Donc, on va prendre le temps de regarder ce que vous avez écrit. Je ne sais pas si vous avez terminé, tout le monde n'a pas terminé. Alors, on va donc aller regarder ce que vous avez fait. On va aller regarder les commentaires de chacun. Donc, Nancy, est-ce qu'elle est ici dans la salle, Nancy? Oui, d'accord. Suna needs to have a work cited slide at the end of your other YouTube. Peux-tu nous expliquer ce que tu veux dire, Nancy? Ah, t'avais pas terminé? OK. Donc, je reviendrai à toi tantôt. Je te laisse finir d'écrire ton truc, on reviendra. Louis. Alors, Louis, est-ce que tu Oui. Oui, OK. Alors, moi, j'ai simplement dit que s'il y a un litige, finalement, ce qui va arriver, c'est qu'on va regarder la loi. La loi va dire ça. Puis l'ignorance de la loi. C'est pas une excuse. C'est pas une... D'accord. Puis là, c'est l'approche très légale. Légale. Parfait. OK. Un autre point de vue. Pierre. Je suis en train de OK, là, c'est vrai. En fait, je veux dire, c'est une situation qui est très difficile à couper tôt, mais le fait que l'enseignant fasse autant d'efforts pour quand même respecter, je me dis, bon, un auteur ou une maison d'édition serait quand même mal placé de dire, hein, je vais aller. Je vais porter des recours contre cette enseignante-là parce qu'elle ne l'a pas respecté. C'est sûr que là. C'est une question de morale par rapport à... Tout à fait, mais les questions éthiques et morales sont toujours en côte à côte, hein? Toujours. Donc, ce n'est pas séparé, mais c'est différent. Ça ne fait pas la même chose faire de la réflexion éthique puis se positionner de façon morale sur une situation en fonction de mes normes ou mes valeurs. Okay? Donc, tout à fait. OK, mais merci Pierre. Daniel, est-ce que ici Daniel? Oui? Ce que je disais, c'est dans le fond, on n'est pas que dégagique dans notre salle de classe. Il ne faut pas trop se casser la tête. Le problème, c'est si c'est diffusé à l'extérieur des murs de l'école ou s'il y a un profit qui est généré à partir de ça. OK. C'est autre chose. Dans un contexte pédagogique, dans la salle de classe. Pour la question de la diffusion. Donc, c'est la diffusion le problème. Qui pourrait être problème, selon toi. Et là, dans ce cas-ci, ça ne devrait pas être un problème. Qu'on diffuse, surtout si on a acheté des livres, par exemple. Oui, mais il n'y a pas aussi chaud que. C'est pas les, comme contexte de société, je comprends les maisons d'édition, les auteurs, les gens vivent aussi, mais à quelque part, l'école n'est pas là pour faire vivre les gens autour. Non, effectivement. Merci Daniel. On va aller avec Mélanie. Tu veux nous résumer ça? Oui, mais dans le fond, c'est juste l'idée de. Je pense que si j'étais à la place de l'enseignante, j'aurais pris la peine de vérifier parce que j'allais justement diffuser. Mais, donc, tu aurais pris le temps de vérifier. Mais est-ce que. Est-ce qu'elle l'avait fait ou pas aussi? Est-ce qu'elle l'avait fait ou pas? Est-ce qu'il y avait une personne ressource dans son milieu? Pour l'aider. Bonne question, intéressant. Est-ce que même la personne ressource, la CP, mettons, était au courant? Comme ça, c'est une situation qui pose plus de questions que de réponses. Oui, absolument. En fait,
tout à fait. OK, merci, Mathieu. OK, c'est long, peux-tu nous résumer ça? Parce que le temps passe vite, puis il faut que j'accélère. J'ai d'autres choses dont je vais vous parler. On va continuer, Mathieu, tu nous résumerais ça? C'est vraiment par les élèves, tout est correct, chacun en HP1. Pour les bibliothèques, par exemple, d'enregistrer une vidéo audio, il faudrait que ce soit légal seulement quand un élève emprunte un livre. C'est comme une situation locale pour un élève qui a une misère, c'est un élève qui l'a fait, ça me semble honnête. Okay. Je connais des écoles qui ont fait des demandes, des éditeurs ont dit oui. Okay. À ce genre de choses-là. À condition. Gratuitement, ils ont dit c'est bon, on vous autorise à le faire. Okay. Et il y avait demandé un premier qui a dit non, mais demandé un deuxième qui a dit oui. Et parfait, on fait ça avec ce livre-là. Lui a dit oui, alors on fait avec ce livre. Donc, ça rendait les livres qui étaient à la bibliothèque, il y a une version audio, donc l'élève peut suivre le livre, mais l'écouter en même temps. C'est enregistré par un élève de l'école. Donc, c'est ça. Julie-André. Julie-André. Toi, oui. Mais moi, je pense que c'est réaliste. Là. Puis pour moi, là, je sais que légalement, là, c'est évident qu'il y a un paquet de problèmes. Moi, j'avoue que j'ai... Toi, tu gérerais le risque comme ça peut-être. Moi, je gérerais le risque. Moi, c'est sûr, mais je sais que c'est pas nécessairement... Je trouve que c'est énormément de bâtons dans les roues, puis éventuellement, nous vont prendre des lecteurs. Tu sais, je veux dire, si tu penses un petit peu plus loin là, que tout ça, j'ai l'impression que, bon, que la situation apporte davantage qu'elle nuit, là, mais ouais. c'est sûr que c'est totalement un jugement. Je suis consciente que ça ne respecte pas forcément les règles. Je ne dis pas en même temps, je pense que c'est vrai que dans le cas de... On pourrait demander des autorisations et c'est vrai que ce serait la bonne façon de faire. Je suis d'accord avec ça, mais okay. Moi, pour moi, je pense que les règles, moi, je trouve ça un petit peu vieillot. Ouais. Et dérangeant parce qu'on parle d'éducation puis on parle de former des lecteurs. Mm-hmm. Je pense que c'est un. Ça, c'est prioritaire. Donc, une valeur. C'est un mauvais plan d'y aller toujours par la restriction. Toujours. Je pense que le meilleur plan serait d'y aller par la diffusion. Ici. Intéressant, Julien-André. Merci beaucoup. Laurent, en France, Laurent nous a répondu. Tiens, on a des gens qui nous suivent à distance. Bonjour, Laurent. Rien à redire. Tout le monde est gagnant. L'auteur a sa promotion et l'enseignant pour la classe et les pédagogies actives qu'il met en œuvre. Donc, pour lui, si je regarde pas ça d'un point de vue légal, juste d'un point de vue pédagogique, c'est génial. Hein? Tout simplement. Oui. La promotion, Je pense à des chums musiciens qui, des fois, sont prêts de jouer dans un bar. Tu vas être connu grâce à ça. Ouais, mais je paye mon industrie comment. Ouais. Je joue dans un bar juste pour de la promotion. Ben, en tout cas, je suis l'avocat du diable. Il y a un peu des deux. Dans la situation qui est là, il y a un peu des deux. Donc, dans cette situation. Oui, à cause d'achat de livres. Il y a un peu des deux. Julie, oui. Oui, moi, je pense qu'il faut sensibiliser les gens à demander l'autorisation. Mais je verrais pour ne pas briser le projet de l'enseignant, je trouve que c'est important de ne pas éteindre la flamme, mais de voir comment le projet pourrait se vivre si jamais il y avait des délais autrement. Tout à fait. C'est peut-être que l'enregistrement audio, on pourrait peut-être trouver une autre solution. La garder pour la classe ou pour un petit bout de temps. Oui. Et YouTube, pareil, les droits d'accès. Donc, toi, ton point de vue directrice qui veut accompagner ses enseignants, tu ne veux pas bloquer tout. Tu ne veux pas tuer l'initiative. Merci, Julie. Nancy? Donc, Je ne peux pas taper en français, c'est trop. Non, c'est correct. Peux-tu nous résumer ça? Moi, c'est plus les images qui me concernent. Parce que les enseignants comme les élèves utilisent des images dans des PowerPoint, drop, puis aucun note. Il n'y a pas de souci. Donc, l'importance d'éduquer à ça. Hein? Oui. Fait, à la fin du film, on met comme genre une bibliographie. Tout ce qu'on a utilisé, ça protège un petit peu. J'ai essayé, en faisant cette vidéo-là, justement, de donner un exemple de comment on peut respecter les droits d'auteur hein, en travaillant avec du contenu. Et je vais y venir. Du contenu. Juste ajouter de, peut-être oui. Pour la diffusion YouTube, si c'est protégé, si c'est permis, parce que aux élèves qui dit qu'on ne partage pas le lien avec personne en dehors. Donc, on le garde pour nous. Mais on utilise l'outil parce qu'il est pratique, utile et facile à utiliser. Excellent. Très intéressant. Donc, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous. Je vais juste accélérer un peu parce qu'il est déjà 53, on finit à midi. Et donc, si je vais avoir le temps de voir avec tout ce que j'avais, je vais être obligé de faire des raccourcis. Donc, il y avait une deuxième partie où je voulais vous faire travailler. Mais vous pourrez le faire par la suite si vous voulez, mais on n'aura pas le temps de le faire ensemble. Alors, je vous disais que j'ai été chercher des gens aussi, j'avais été chercher des points de vue
d'enseignants pour me donner leur point de vue. Je l'avais fait l'exercice dans un autre mur Padlet avant de vous le demander. Et eux, ils n'avaient pas fait toute la partie de réflexion avec les points de vue des auteurs et des éditeurs. Alors, nous autres, ils avaient peut-être parfois moins de limites. Mais la plupart d'entre eux, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est « Ouais, mais je ne sais pas, je suis tout mêlé, je trouve ça compliqué. » OK? Il y a une enseignante, parce que moi, je l'avais demandé sur un Padlet, on peut aller ajouter une vidéo. Puis, on a dit « N'as-tu plus mal à en faire des vidéos? Il n'y a personne qui peut en faire. » Donc là, j'ai convaincu ma conjointe, mon amoureuse, d'en faire une courte vidéo. Alors, parce que je voulais avoir un média un peu en vidéo. Alors, je vous écoute, je fais écouter son point de vue. Elle, elle est orthopédagogue. C'est Daniel Niel. La situation est en train de s'éloigner vraiment très riche. C'est certain que d'abord, elle est signifiante pour les élèves parce qu'ils vont être en processus de création. Ils vont être très impliqués aussi à différents niveaux tout au long des activités. À partir de là. Ce qui est très riche aussi, c'est le fait que les processus en lecture, il y en a beaucoup de travaillés, ils sont au programme de formation. Bon, par exemple, à partir de copie-papier, ils vont pouvoir lire une première fois, comprendre la règle générale de l'œuvre. En même temps, l'enseignant a pu utiliser la copie numérique avec le TNI pour modéliser certaines stratégies de lecture. Donc, ça aussi, c'est très riche. À partir du iPad, bon, les élèves en difficulté, peuvent avoir accès à une surveillance vocale, donc le support intéressant pour eux. Pour tous les élèves aussi au TMI, s'ils ont accès à leur numérique, ils vont faire certaines activités à l'intérieur des chapitres, comme aller insérer certaines notes des recherches qu'on veut faire dans le TMI. Puis, réinvestir aussi les stratégies de lecture qui ont été vues au TMI aussi au iPad par la journée. Puis, finalement, bien, la création d'une bande-annonce va venir, dans le fond, ramasser tout ça, synthétiser toute la compréhension pour pouvoir l'exprimer adéquatement. Voilà. Et c'est extraordinaire, hein, tout le potentiel qu'il y a dans cette activité-là qui était proposée. Donc, c'est vraiment riche si on regarde ça juste d'un point de vue pédagogique. On ne regarde pas le point de vue légal, on regarde juste le point de vue d'apprentissage. C'est extraordinaire. Donc, ça donne un potentiel vraiment merveilleux. Puis c'est pour ça qu'entre autres, Julie-André dit « Moi, j'aurais le goût de le faire, je veux faire ça. Okay? » Donc, c'est le genre d'affaire que je ferais. Donc, on voit le point de vue d'enseignant. On va continuer notre réflexion éthique. Puis, on va continuer. Donc, quand on est en réflexion éthique, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est de s'intéresser aux différents choix ou actions possibles dans cette situation-là. Et de se demander pour chacun des choix qu'on fait, quels sont les impacts, les conséquences, positives et négatives. On vient d'en nommer plein de ces affaires-là dans ce qu'on vient de faire comme discussion. Puis, en réflexion éthique, comme tu disais, Julie, d'entrée tout à l'heure, on recherche à trouver des solutions, des avenues qui vont favoriser le mieux vivre ensemble. Donc, c'est ça la caractéristique de la réflexion éthique, comparativement à la morale, où je cherche à trouver la bonne réponse pour moi ou pour respecter les normes X qu'on s'est données. Okay? Alors, on a fait un peu des deux dans le travail qu'on a fait ensemble. Okay? En réflexion éthique, on cherche des avenues et le plus précieux, c'est, après qu'on a nommé les affaires qui nous vont d'emblée, se demander, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait faire? Et ça nous amène parfois dans des avenues créatives auxquelles on n'avait pas pensé. Et là, c'est là que je vous aurais proposé d'essayer de vous trouver d'autres avenues. Mais je n'ai pas le temps de faire ça avec vous. On va donc poursuivre. Mais je l'avais fait avec des bibliothécaires. Alors, eux avaient quand même proposé toutes sortes de pistes de ce qu'on pourrait faire. Vous irez regarder ça, les pistes de ce que les autres ils ont proposé, mais des fois, ça ouvre à d'autres avenues auxquelles on n'avait pas pensé. D'accord? Et là, moi, je vais vous en proposer une autre avenue. C'est celle des ressources éducatives libres. Ouais. Donc, qu'est-ce que les ressources éducatives libres? On va aller regarder c'est quoi des ressources éducatives libres et comment ça se fait, comment on peut créer des ressources éducatives libres. Alors, pourquoi je parle de ressources éducatives libres? Bien, parce que quand on est en apprentissage avec des élèves, bien, on a besoin, quand on utilise les technologies, je l'ai dit au début, de contenu qui soit exploitable, modifiable et diffusable. Alors, si je veux construire mes représentations, j'ai besoin de ça, dans le numérique, si je veux utiliser le numérique pour arriver à faire ça. Et quand j'utilise donc les technologies en classe,
Donc, je viens de dire, pour construire mes savoirs, j'ai besoin de contenu réutilisable. Donc, je peux déconstruire, reconstruire, on l'a dit tout à l'heure. Donc, l'UNESCO, donc, en 2012, a signé une entente dont le Canada est signataire, qui, tous ces pays signataires de l'entente, s'engagent à produire des contenus libres, justement, en vue de résoudre ce problème-là, donc de se constituer des banques de ressources dont que les élèves pourront déconstruire, reconstruire, comme ils le voudront, donc de produire du contenu libre. Donc, nous, on est engagés comme pays dans ce processus-là. Donc, on a des obligations à faire ce processus-là. Donc, je laisse prendre la photo. Si on peut la prendre. Une autre astuce, si vous vous êtes dans le diaporama, il faut faire capture d'écran. C'est vrai. De votre iPad, ça peut aller bien. Ça fera une meilleure photo encore. D'accord? Je vous le dis comme ça. Faites comme vous voulez. Merci, Nathalie. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Ça prend. Bye. Au revoir. Donc, qu'est-ce qu'une ressource éducative libre? Mais d'abord, ça peut être du contenu ou des outils numériques qu'on peut réutiliser, modifier, rediffuser librement. Donc, on va aller voir, mais libre, ça ne veut pas nécessairement dire gratuit. OK? Parce que du contenu, pour le produire, il faut que des gens en vivent. Hein? Alors, si on produit du contenu, il faut que l'auteur, le travail, c'est la personne qui a produit ça, soit capable de... Mais y a-t-il d'autres modèles que de payer quelqu'un, une fois qu'il a fini son travail, à chaque fois qu'on en vend? Il existe d'autres modèles. Mais c'est ça qu'on va regarder parce que c'est peut-être possible de penser qu'on paye des gens pour produire du contenu libre, mais on les paye en amont. Une fois qu'ils sont payés, ils ont été payés justement pour le travail qu'ils ont fait. Peu importe le contenu, après, il est accessible à tout le monde. Donc, l'utilisation de la licence Creative Commons, c'est une des solutions pour la licence pour des contenus libres. Okay? Mais il y a des exemples qu'on peut avoir, par exemple, Wikipédia, c'est un endroit où on peut déposer du contenu sous licence Creative Commons, même domaine public, en fait. C'est plus que Creative Commons, c'est domaine public, c'est même le bon Wikipédia. Donc, d'autres genres d'outils en ligne, sur YouTube, on peut déposer une vidéo et lui donner la licence Creative Commons. On peut, sur Flickr, déposer des photos, les langues. Et là, c'est intéressant parce que sur Flickr, on a toutes sortes de licences Creative Commons avec des droits plus ou moins nuancés selon ce qu'on veut. Sur OpenClipArt, là, c'est le domaine public. On peut déposer des images, on peut les remixer, les redéposer, citer nos sources. C'est super bien fait. C'est donc tous des clipart, mais qui sont en format SVG, donc modifiables, et donc sont en dessin vectoriel. Puis on peut, avec un éditeur en ligne, aller les modifier, télécharger l'image et la redéposer en SVG directement dans OpenClipArt. C'est vraiment et dire de qui je me suis inspiré. Et donc, ça suit l'information. SoundCloud pour déposer de l'audio, donc si on crée des séquences audio, on veut les déposer parce qu'on n'a pas d'espace pour les mettre. SoundCloud, c'est un outil qui permet de déposer sous licence libre. Sinon, si on veut produire du contenu libre et donner une licence à ce contenu-là pour que les moteurs de recherche trouvent le contenu, on peut aussi aller sur le site de Creative Commons. Dans ma diapo, vous avez les liens vers tout ce que je vous montre. Okay? Donc, vous pouvez retrouver tout ce contenu-là. Donc, il vous donne, qui vous permet d'aller écrire, moi, qu'est-ce que je veux faire, quel type de licence je veux faire et quelles sont les caractéristiques de ma licence qui va vous générer ce que vous avez besoin de rajouter, qui va vous dire comment l'ajouter à votre contenu pour publier votre contenu de façon libre et que la licence soit visible autant par les humains, par les ordinateurs et qui correspondent à un texte légal parce que tout ça est rattaché sur le site de Creative Commons, un texte légal qui dit en mots légaux ce que vous permettez aux gens de faire avec votre contenu. Donc, vous n'avez pas à rédiger ça. Vous avez juste à faire ces étapes-là et tout se fait automatiquement. Donc, ça, c'est très, très simple à utiliser. Donc, pourquoi on utiliserait ce genre d'outils-là? Bien, parce qu'on veut amener nos enseignants et nos élèves, on le disait tout à l'heure, les former au respect du droit d'auteur, mais peut-être aussi à devenir des producteurs et des diffuseurs de contenu libre. Donc, pour leur permettre, eux, de réutiliser, modifier, rediffuser du contenu, tout en respectant le droit d'auteur, parce que là, on va partir de contenu libre, puis on va reproduire du contenu libre, et on va enrichir la banque de contenu libre, et donc, ça va nous permettre d'aller de plus en plus vers le droit d'auteur. Donc, ça va permettre aussi de développer des compétences chez nos élèves et nos enseignants, et de leur permettre de devenir des créateurs de contenu. Vous voulez aller plus loin? Je vous propose des ressources. Merci.
pour aller plus loin avec ça, en lien avec ce dont je vous ai parlé tout au long de l'atelier, et on est rendu à la période de questions. Pendant qu'on fait la période de questions, ben, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait encore, à aller évaluer l'atelier avec le formulaire de la COPS, et c'est bon pour tous vos ateliers auxquels vous allez participer. Je vous invite fortement à prendre le temps de répondre à ça. Et donc, ceux qui veulent écouter, vous êtes libres. Ceux qui ont des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci, Julie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non? C'est bon. Alors, je vous laisse rentrer l'évaluation et ou quitter selon ce que vous souhaitez. Merci. Je vais mettre fin à la web diffusion. Merci aux gens qui nous ont suivis à distance. Alors, je vous salue. Merci beaucoup. Donc, à une prochaine. Je vais essayer de web diffuser mon atelier de cet après-midi aussi. Donc, si vous étiez à distance, vous pouvez peut-être nous suivre aussi.